Bonjour et bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui d'une gourmandise omniprésente, le chewing-gum. Ce petit plaisir sucré a conquis le cœur de millions de personnes à travers le monde. C'est un plaisir simple apprécié par des millions de personnes. Que ce soit pour rafraîchir l'haleine, se détendre ou simplement pour le goût, le chewing-gum est devenu une partie intégrante de notre quotidien. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander ce qui entre exactement dans la fabrication de cette confiserie moelleuse? Les ingrédients et le processus de fabrication sont plus complexes qu'on ne le pense. La réponse pourrait vous surprendre. Derrière chaque morceau de chewing-gum se cache une histoire fascinante et parfois controversée. Rejoignez-moi alors que nous plongeons dans l'univers du chewing-gum, en découvrant ses secrets et en examinant son impact sur notre santé et notre planète. Nous allons explorer les aspects cachés de cette friandise populaire. Le chewing-gum a une histoire étonnamment longue. Depuis les civilisations anciennes jusqu'à nos jours, il a évolué de manière significative. Les civilisations anciennes mâchaient des résines d'arbres pour leurs saveurs agréables et leurs bienfaits potentiels pour la santé. Ces pratiques ancestrales ont jeté les bases de ce que nous connaissons aujourd'hui. Le chewing-gum d'aujourd'hui, cependant, est bien loin de ses prédécesseurs naturels. Les méthodes modernes de production ont introduit de nombreux changements. La fabrication moderne a introduit une gamme d'ingrédients synthétiques, dont l'innocuité a fait l'objet de nombreux débats. Ces ingrédients sont souvent ajoutés pour améliorer la texture, la saveur et la durée de conservation. Au cours des prochaines minutes, nous allons décortiquer la vérité sur le chewing-gum. Nous explorerons ses ingrédients en examinant de près ce qui le compose réellement. Nous plongerons dans ses effets potentiels sur la santé, en discutant des avantages et des inconvénients de mâcher du chewing-gum régulièrement. Et nous comparerons les habitudes de consommation de chewing-gum à travers le monde. Chaque culture a sa propre manière d'apprécier cette confiserie. Alors, restez avec moi alors que nous nous lançons dans ce voyage fascinant dans le monde étonnamment complexe du chewing-gum. Préparez-vous à être surpris par ce que vous allez découvrir. Les composants principaux du chewing-gum peuvent être classés en deux grandes catégories, la base de gomme et les arômes. La base de gomme est ce qui donne au chewing-gum sa texture élastique et mâchable, tandis que les arômes ajoutent les saveurs variées que nous apprécions. La base de gomme fournit la texture à mâcher, une caractéristique essentielle qui permet au chewing-gum de conserver sa forme et son élasticité, même après une longue mastication. Tandis que les arômes, comme leur nom l'indique, confèrent le goût souhaité. Ces arômes peuvent varier énormément, allant des saveurs fruitées au mentholé, en passant par des goûts plus exotiques. Si les arômes peuvent sembler être la partie la plus intrigante, c'est la base de gomme qui recèle les vrais secrets. Cette base est ce qui permet au chewing-gum de rester élastique et agréable à mâcher. Les bases de gomme traditionnelles étaient dérivées de sources naturelles, comme les sèves et les résines d'arbres. Ces matériaux naturels étaient récoltés et traités pour créer une base de gomme souple et élastique. Cependant, le chewing-gum moderne repose fortement sur des matériaux synthétiques. Ces matériaux sont conçus pour imiter les propriétés des gommes naturelles tout en offrant une production plus économique et contrôlée. Ces résines synthétiques, souvent dérivées de produits pétroliers, constituent la base de la plupart des chewing-gums disponibles dans le commerce. Elles sont créées pour offrir une texture et une élasticité constantes. Mais que sont exactement ces résines synthétiques? Et pourquoi sont-elles si largement utilisées dans l'industrie du chewing-gum? Et comment sont-elles fabriquées? Le processus de fabrication de ces résines est complexe et implique plusieurs étapes chimiques. La réponse se trouve dans le monde complexe de la chimie industrielle. Les scientifiques utilisent des réactions chimiques précises pour créer des polymères aux propriétés spécifiques. Ces résines sont essentiellement des polymères, de longues chaînes de molécules conçues pour imiter la texture et l'élasticité des gommes naturelles. Ces polymères sont ensuite traités et modifiés pour obtenir la consistance parfaite pour le chewing-gum.
Maintenant, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui donne au chewing-gum sa mastication caractéristique? Qu'est-ce qui lui permet de résister à des heures de mastication sans se dissoudre? La réponse se trouve dans les propriétés uniques de ces résines synthétiques. Mais pour bien comprendre cela, nous devons nous tourner vers les experts. Le docteur Sarah Green, une scientifique réputée en alimentation, explique « Ces résines synthétiques ont la remarquable capacité de résister aux contraintes mécaniques. Elles sont conçues pour se déformer sous la pression, puis pour retrouver leur forme initiale une fois la pression relâchée. C'est ce qui donne au chewing-gum sa résilience et permet une mastication prolongée. » Cependant, l'utilisation de résines synthétiques dans le chewing-gum ne fait pas l'unanimité. Certains défenseurs de l'environnement s'inquiètent de la durabilité de l'utilisation de produits à base de pétrole. D'autres s'interrogent sur les effets à long terme sur la santé de l'ingestion de ces matières synthétiques. Cinquième partie, impact sur la santé. Un sujet d'inquiétude ? Les implications potentielles du chewing-gum sur la santé font l'objet de recherches permanentes. Si certaines études suggèrent que la mastication du chewing-gum peut avoir certains avantages, comme la promotion de l'hygiène bucco-dentaire et l'aide à la concentration, d'autres soulignent les risques potentiels liés à ces ingrédients synthétiques. Bien que la plupart des résines synthétiques soient considérées comme sûres pour la consommation en quantité modérée, certaines personnes peuvent ressentir une gêne digestive, en particulier celles qui souffrent de pathologies préexistantes, comme le syndrome du côlon irritable. Il est important de noter que les recherches dans ce domaine sont en cours et que des études supplémentaires sont nécessaires pour établir définitivement les effets à long terme de la consommation de chewing-gum sur la santé. Sixième partie, partagez vos impressions. Que pensez-vous de l'utilisation d'ingrédients synthétiques dans le chewing-gum? Les problèmes de santé potentiels. L'emporte-t-il sur le plaisir que vous procure la mastication du chewing-gum? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Septième partie. La mastication à travers le monde. La France face au reste du monde. La consommation de chewing-gum varie considérablement d'un pays à l'autre. Si c'est une gourmandise relativement populaire en France, certains pays affichent des taux de consommation nettement plus élevés ou plus faibles. Par exemple, les États-Unis détiennent le record de la consommation de chewing-gum par habitant la plus élevée. Cela est souvent attribué à la grande disponibilité et au marketing agressif du chewing-gum aux États-Unis. En revanche, le chewing-gum est moins populaire dans de nombreux pays asiatiques, où les encas traditionnels et les normes culturelles priment souvent. Neuvième partie. Conclusion. Une discussion alimentée au chewing-gum. Notre exploration du monde du chewing-gum a révélé une interaction complexe d'ingrédients, de procédés de fabrication et d'impact potentiel sur la santé. Chaque étape, de la sélection des ingrédients à la production finale, joue un rôle crucial dans la qualité et la sécurité du produit que nous consommons. Bien que le chewing-gum puisse sembler être une gourmandise simple, il est clair qu'il est plus complexe qu'il n'y paraît. Les différentes saveurs, textures et types de chewing-gum disponibles sur le marché témoignent de cette complexité. Comme nous l'avons découvert, le chewing-gum moderne repose fortement sur des résines synthétiques, dont l'innocuité et la durabilité font l'objet d'un débat permanent. Ces résines sont essentielles pour donner au chewing-gum sa texture élastique et sa longévité. Alors que la recherche continue de démêler les effets à long terme de ces ingrédients sur la santé, il est crucial que les consommateurs restent informés et fassent des choix conscients quant à leurs habitudes de consommation. Lire les étiquettes et comprendre ce que nous mettons dans notre bouche est plus important que jamais. Nous espérons que cette exploration vous a permis de mieux comprendre le chewing-gum que vous appréciez. Que ce soit pour le plaisir, la fraîcheur de l'haleine, ou même pour des raisons de santé bucco-dentaire, le chewing-gum a une place unique dans notre quotidien.
N'oubliez pas que la connaissance est essentielle lorsqu'il s'agit de prendre des décisions éclairées sur les aliments que nous consommons. En étant bien informés, nous pouvons faire des choix qui soutiennent notre santé et notre bien-être. Merci de vous être joints à nous pour ce voyage fascinant et nous vous encourageons à poursuivre la conversation dans les commentaires ci-dessous. Vos idées et vos questions sont toujours les bienvenues. Partagez vos réflexions, vos expériences et toutes les questions que vous pourriez avoir sur le monde fascinant du chewing-gum. Nous sommes impatients de lire vos commentaires et de continuer cette discussion enrichissante.